Salut à tous, petite actualité sur automobile propre concernant la future SUV électrique de chez Nissan qui ressemblera à un Qashqai, le Nissan Ariya. Donc voyons ce qui est dit. Le pionnier de la voiture électrique doit dévoiler son futur crossover électrique au salon de Tokyo qui se déroulera dans 2 jours, on le rappelle, qui commence dans 2 jours. Quelques informations ont fuité à quelques jours de l'événement. Après la Leaf, quel avenir pour l'électrique chez Nissan? Le constructeur s'oriente vers un SUV zéro émission qui devrait tirer les enseignements de la problématique citadine. Selon des informations publiées par des magazines auto japonais et espagnols, la Nissan Ariya, c'est son nom, bénéficierait notamment d'un système de refroidissement liquide pour sa batterie. Ah bravo! Alors là, ils ont tout compris, ça y est. Enfin! Bravo Nissan, putain! Il embarquera également des cellules NMC 811 fournies par AESC et un connecteur combo CCS. Oh bravo! Deuxième bravo du jour. Alors là, putain, ils ont... Ça y est, ils se sont enfin mis dans la tête qu'il fallait abandonner le chat des mots et mettre un refroidissement liquide pour pas que ça détruise les batteries au long terme. Bravo, 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 respect à eux. Donc c'est la norme de recharge rapide et ultra rapide européenne. Basée sur la plateforme CMF-EV, comme une Renault et Nissan, le crossover est annoncé avec une autonomie de 480 km. Alors ça, on ne sait pas si c'est le truc japonais ou WLTP ou PA, on ne sait pas. Bon, si c'est WLTP, ça, c'est pas mal quand même. Et un 0 à 100 en 5 secondes. Là, par contre, c'est quand même ça parler. Hein. 5 secondes, 0 à 100, c'est une fusée. Côté design, le concept paraît totalement nouveau. Il reprend quelques signatures stylistiques de la Leaf, mais les optiques en liseré se rapprochent du Kona. Le gabarit est comparable à celui d'un Qashqai avec une habitabilité de Murano. Alors, je ne suis jamais monté dans un Nissan Murano, donc je ne sais pas ce que ça vaut, honnêtement. À l'intérieur, il est notamment rapporté un tableau de bord fantôme qui n'apparaît que lorsque le véhicule est allumé. Pour en savoir plus, il faudra attendre le salon de Tokyo. Bah, à première vue, il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Beaucoup plus sympa que ce que j'ai pu voir du Mazda électrique qui se profile. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo sur ça, mais de toute façon, il sera révélé demain. Donc, on fera une vidéo demain sur le Mazda MX-30. J'ai mis une photo sur le Discord déjà. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien du Discord hein, pour ceux qui sont pas encore dessus. On parle pas mal d'électrique dessus, donc je vais vous mettre un lien pour aller comme ça découvrir le Nissan MX, le Mazda MX-30 électrique en avant-première. De toute façon, je ferai une vidéo demain. Donc, pour ce qui est de ce Nissan électrique, en tout cas, moi j'aime bien sa forme. Les phares à l'avant, j'aime beaucoup. Il a une belle forme, je trouve. Donc, c'est encore un SUV, hein, évidemment. Nissan se lance également dans les SUV après la Leaf qui était une voiture compacte pour le coup. Pas un SUV, donc ils font comme les autres, hein. Ils rejoignent ils rejoignent la bande comme on dit. Donc moi j'aime bien en tout cas, on en saura sûrement plus dans quelques jours concernant la capacité de batterie notamment et peut-être le prix. Et à voir s'il sortira d'abord au Japon et puis ensuite en Europe ou les deux en même temps. Sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao.